Le jardin d'acclimatation, partie 2. C'était le matin et les garçons se réveillaient. Oh, t'as bien dormi, mon pote? Pshh, ouais, et toi? Pshh, ok, bon, je vais réveiller mes pères. Oups, j'ai oublié de débarrasser le petit déj d'hier. Bah, ça tombe bien, je vais faire mon petit déj à moi. Blablabla. Oh, purée, la chaise, j'espère que je vais pas réveiller Gaspard. Oh là 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 là, si je le réveille, maman va me tuer. Oui, t'inquiète pas. Il faut chuchoter parce que les autres dorment. Je sais, merci. C'est que les bonnes chettes. Bon, bon. J'ai sous quoi? Mais t'as deux tasses. Ah oui, non, j'ai oublié d'en donner une. Passe-la-moi. Oui. Et puis moi, j'ai pas de fruits. Va voir ton frigo. T'inquiète, c'est les parents hier qui ont tout mangé. Mais avant, il y avait un gros, gros gâteau. C'était pour la mère de ta soeur. Ah, j'ai vu ta mère le mettre dans le garage. Ah, ouf, t'as un frigidaire dans le garage. Merci. Hein. Bon, moi, je vais pas manger de pommes. Et je vais réveiller les filles. On va s'habiller. Et après, on attendra les parents. Ouais, ma soeur, elle a pris sa casquette. N'importe quoi. Je sais. Ah. Les filles, il faut se réveiller. Oh, alors non. Oh. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 9 ans. L'année prochaine, j'aurai 10 ans. Hip, 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 hooray! Mais vous êtes déjà habillée? Oui, on a dormi habillée, sans maman que le remarque. Ah, bah nous aussi, c'est débile, hein? Je sais. Aujourd'hui, on va au jardin d'acclimatation. Ça, c'est Gaspard. Non, c'est Thomas. Gaspard, Thomas, Gaspard, Thomas. Moi, je sais que c'est les deux. Nous, on a fini de dormir. Oui. Oh, ok, mais bon. Oh, chérie, réveille-toi, chérie. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Ton fils pleure comme un malade. Et toi, tu fais rien? Ça m'a réveillé un tout petit peu, mais je croyais que tu allais faire. Comme moi, j'allais faire. Hein, tu as ramené la poussette? Mais oui, bien sûr. Ah. Bon, ah bah c'est bon, il arrête de pleurer. Ouais, ouais, ouais. Je vais lui donner son biberon, d'accord. Et moi je redors. Je sens comme une odeur de gâteau. Bon, ça doit être le gâteau d'Eli. Bon, je vais pas manger. Qu'est-ce que j'ai? Mais je suis très faim. Corps, corps, corps. Non, il n'y en a plus, mon bébé. Mes corps. Bon. Ah bah tout. Et bon, voilà. Bon, moi je vais m'habiller. Hein. Et ton papa aussi. Et après, ils vont aller s'habiller, les deux autres en haut. Et voilà. Mais arrête, arrête de pleurer, satané bébé. Tu ne traites pas mon fils comme ça.
Ouais, il pleure tous les matins. Moi, j'en ai un peu marre à la fin. Je peux plus faire sa grasse mat. Ah bah, tu vois, t'as plus le bouchon d'oreille. Ouais, cool. Ah bah, bonjour Myriane. Oh, bonjour Amélie. Toi aussi, tu as été réveillée par Thomas. Ah non, j'ai été réveillée par mon fils. Ah, d'accord. Les enfants, ils sont réveillés. Tu sais s'ils sont réveillés? Oui, ils sont réveillés. Attends, je les appelle. Les enfants, venez dire bonjour. Coucou maman. Et je repars. Qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas. Maintenant, c'est pour toi qu'il boit. Slap, 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 slap. Blarc, il est bizarre le lait. Blarc, 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 blarc. Ah, bah, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Après que tout le monde soit réveillé, lavé et habillé, il était l'heure de partir. Et il était à peu près 1 h de l'après-midi, ils avaient mangé avant. Les enfants, on va y aller. Oui, on arrive. Mesdames et messieurs, applaudissez. Élie l'ouvrier. Wouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh, bah en fait, on fait un concours et moi j'ai mon chapeau, du coup j'ai gagné. Oui! Maman, j'ai la caméra de papa. D'accord. Chérie, viens voir. Tu as touché ma caméra? Alors que j'avais dit que personne touche à ma caméra sans que je l'autorise? Redonne-moi ça tout de suite. Mais papa, on s'amusait. J'espère que tu n'as pas pris des photos débiles. Non. Et regardez-moi cette chaise, les enfants. Oh là là. Maman, tu m'as donné un coup. J'ai rien fait. Tiens, la voilà ta caméra, papa. Faut pas chouiner pour ça. J'ai pas chouiné, hein. Bon, nous, chez les Louvriers, on est prêts. Prêts pour l'aventure. Oui, nous aussi. Mais il manque là. Il manque la poussette. Bon, je vais la chercher, donc calme-toi. Il va faire très beau aujourd'hui. Tu peux aussi essayer de ramener le cache pour pas que le bébé il prenne des coups de soleil sur la tête. Oui, bien sûr. Environ 7 minutes plus tard. Et voilà, tada. Oh, merci. Quand ils sont arrivés à l'arrêt de bus, ils attendent le bus. Et le bus arrive. Allez, tout le monde dedans. Oui, on arrive. Moi, je reste en bas avec Gaspard et Thomas. Oh, c'était la poussette. En voiture. Enfin, arrivé au jardin d'acclimatation. Oui, on est arrivé. Jardin d'acclimatation. Bonjour, 4 parents et 6 enfants. Ça vous fera 37 euros, monsieur. Ah, d'accord, merci. Et toute la famille finit ça en beau, dans le bonheur, leur journée. Regardons ce qu'ils ont fait. Les garçons ont fait du bateau dans les airs. Ils ont trouvé ça très amusant. Mais après, on fait le manège des filles, qui consiste de tourner. Ouh là là. Consiste de tourner. Wouhou! Et les filles, après ça, sont allées voir le cochon. Et les chevaux, en tout cas les animaux. Après, les petits squirrels, ils ont acheté un ballon chacun. Ils ont fait du toboggan. Et ils ont acheté quelque chose à manger. Et ils sont retournés à la maison. Oui! Voilà, c'est la fin du jardin d'acclimatation partie 2. J'espère à bientôt!